aux portes du désert, un système de téléphérique urbain est testé à grande échelle. Suspendues à des câbles, ces cabines sont capables de se déplacer d'une station à l'autre à la vitesse de 150 km par heure. Pour cet ingénieur russe, c'est l'avenir du transport. Bienvenue dans le futur. Selon les versions, ces cabines pourront transporter de 6 à 30 personnes et leur fréquence pourra s'adapter au nombre de passagers. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un énorme bus où 100 personnes se retrouvent compressées comme des sardines dans une boîte, là on peut envoyer les cabines les unes après les autres. Électrique et silencieux, ce métro suspendu à des câbles pourrait connecter des immeubles dans des centres densément peuplés comme Dubaï, mais aussi relier des villes entre elles sur de plus longues distances, comme l'imagine ce clip de promotion. Il est possible de le faire fonctionner dans le désert, des zones inondées ou des reliefs difficiles d'accès. Déjà connue en montagne, cette technologie simple et efficace n'a pas besoin de pilote pour fonctionner. Une pièce comme celle-ci est faite pour superviser 50 à 100 véhicules, puisque quasiment tout est automatique. Une solution adaptable pour le transport du fret. Selon ses inventeurs, ce mode de déplacement serait l'un des moins chers au monde, avec un coût, hors construction, de 1 dollar pour 100 tonnes déplacées par kilomètre. Ce que nous faisons, c'est de quitter le niveau du sol qui est surencombré avec des gens, des embouteillages, des bus, avec tout. Et nous allons au niveau supérieur qui, Dieu merci, est encore disponible. Sans détruire la nature ou les constructions existantes et sans émettre de gaz, nous offrons une solution économique et écologique. Cette installation est financée par le centre d'innovation de Sharjah, l'une des villes les plus embouteillées des Émirats. Avec un budget d'1 milliard d'euros par an, les autorités veulent attirer les start-ups étrangères à la recherche de capitaux. Les Émirats ont une stratégie, à l'horizon 2030, de passer d'une économie basée sur le pétrole à une économie de la connaissance. 1. Il faut encourager l'innovation. 2. Financer scientifiques et entrepreneurs. 3. Se concentrer sur les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain, l'impression 3D. Et 4. Créer des entreprises qui viendront enrichir notre pays. Les villes émiriennes de Sharjah et de Dubaï devraient être les premières au monde à installer ce téléphérique urbain. Une étape avant d'exporter ce moyen de transport à l'étranger.